Hello, on se retrouve aujourd'hui. Vidéo pas du tout prévue, mais je crois que j'ai craqué. En fait, pour tout vous expliquer, ça fait un petit moment maintenant que j'ai fait mon blond. J'avais fait une vidéo d'ailleurs quand je l'avais fait. Et le truc, c'est qu'en fait, je sais pas, je crois que ça m'a un peu saoulée. Et surtout, je crois que mes cheveux sont hyper abîmés. Alors, bien sûr, ils sont longs, tout ça, donc enfin, voilà, ils sont longs. On se dit que j'ai quand même des beaux cheveux longs, tout ça. Mais moi, je le vois, ça fait un peu queue de rat au bout. Et puis surtout, quand je vois certaines mèches du dessus, là, j'en trouve pas, mais vous voyez. Des petites mèches courtes comme ça au lieu d'arriver ici, ça j'avais pas avant et en fait ça me fait chier tout simplement. Ça me saoule parce que ouais j'aime bien avoir les cheveux longs et c'est vrai que là je vois qu'ils arrêtent pas de se casser vraiment, mon blond là les a grave abîmés. Même les petites mèches de devant que j'avais coupées, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles poussent plus, enfin bref. Et du coup voilà, de une voilà le blond je crois que... Je sais pas, je crois que je m'en suis lassée, j'aime bien être brune quand même. Je pense que voilà, hein, y a rien à faire, je reviens toujours au brun et à chaque fois, voilà, à chaque fois j'y reviens. Et en plus là, je pars bientôt en vacances et je me dis le blond, le soleil, la plage, ils vont être archi secs, ça va me les tuer et ça va être horrible. Du coup voilà, je reviens de course et j'ai acheté une couleur. C'est moi, elle vient de lécher le bord du verre. Non mais oh. Non mais oh. Donc ouais, je reviens de course, j'ai acheté une coloration et je me tâte trop à la faire. On est J-5 avant les vacances. Et honnêtement, c'est vrai que le blond c'est beau et tout, mais j'aimerais trop avoir des beaux cheveux qui paraissent en bonne santé et voilà. Et ouais, j'ai envie de faire quelque chose. Du coup, je me tâte. Est-ce que je fais la bêtise ou pas? Peut-être trop. Bon, j'ai réfléchi un petit moment et je crois vraiment que je vais le faire. Donc, on va se retrouver dans la salle de bain. Et voilà, c'est parti pour faire ça. Appliquer la couleur, je vais tellement me débarbouiller parce que je m'en suis mis de partout, horrible. Et là, je dois laisser poser du coup, je vais laisser poser du coup 30 minutes. Donc, c'est parti. Je sors de la douche. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air quand même plutôt foncé. Bon, après, c'est normal, le premier. La première fois, j'ai plein de noir sous les yeux. Écoutez, je voulais couper un peu les pointes parce qu'elles sont pas mal abîmées. Donc voilà, je vais couper mes pointes. Je vais sécher mes cheveux et puis je vous montre le résultat une fois que ça sera sec. Bon, bah voilà, je vous montre le résultat. Je me suis maquillée entre-temps. Écoutez, j'aime beaucoup trop. Du coup, j'ai recoupé un petit peu en bas pour essayer pour enlever un peu tout ce qui est abîmé. Mais voilà, franchement, j'aime trop. C'est pas trop foncé et en plus, ça va encore un peu dégorger. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais pas être toute trop foncée non plus. Je vais vous montrer à la lumière du jour. Il y a encore un petit peu le blond qui ressort, mais je pense qu'une deuxième fois, ça sera nickel à mon retour de vacances. Mais voilà,
Je suis très contente, j'aime beaucoup. Bon, du coup, là, je pars bientôt au boulot. On me fait une petite salade. C'est une salade de pâtes au surimi. Et avec, j'ai pris une moitié de mozzarella, des petits fromages. J'essaye de manger très très équilibré, puisqu'on part en vacances dans 5 jours. Donc voilà, j'essaie de pas faire trop trop d'excès pour pouvoir me faire plaisir en vacances. Voilà, parce que bon, j'ai pas envie de prendre du poids avant les vacances. Donc voilà. Et du coup, cet après-midi, je vais aller travailler. Quel est le programme de la semaine? Demain jeudi, je vais me faire vacciner. Je fais ma deuxième dose. Du coup, bah, pour les vacances, ça va être tout juste. Donc, il faudra quand même que je fasse un test PCR juste avant de partir. Voilà. Et puis voilà, faire la valise avec vous pour vous montrer un petit peu comment je m'organise, ce que je prends. Et puis voilà, si on n'a rien d'autre de spécial, ensuite ça va être boulot, boulot et voilà, jusqu'aux vacances. Je suis trop, trop contente. Je sors du boulot, j'ai fini à 19h. Et j'avais trop envie de manger des sushis. Je suis toute seule ce soir, donc du coup, voilà. Petite envie. J'ai pris des sushis tout simples avec le saumon dessus. J'ai d'autres trucs à manger, mais je sais pas, j'avais une petite envie. Et voilà. Ensuite, je pense que je vais faire un petit peu de rangement. Parce que j'ai pas trop le temps là, avec le boulot, j'aurais pas trop le temps de ranger. Donc, en profiter le soir pour faire ça. Un peu de rangement, faudrait que je refasse mon pouce parce que je me suis cassé l'ongle. Et voilà, à peu près tout ce que j'ai à faire, je crois. Donc déjà, je vais manger mes petits sushis tranquilles. Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Enfin, pour vous c'est la suite, mais pour moi on est samedi et aujourd'hui c'est mon dernier jour de travail parce qu'après je suis en vacances et également je change de travail. Donc pour moi c'est deux super choses aujourd'hui. Donc voilà, j'ai trop trop hâte. Là je suis posée avec Aria. On fait des petits câlins. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ces deux derniers jours? Pas grand-chose en fait. J'ai fait mon vaccin jeudi. Et en fait, j'ai été très très malade dans la nuit. Vraiment pas bien. Hier, ça allait vite fait. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas vlogué parce que bon, ça allait pas fort fort. Et aujourd'hui, bah, tout va bien. Ce matin, j'ai fait des petits achats pour les vacances. Là, il faut que je range un petit peu l'appartement, que je finisse de faire 2-3 affaires. Je voulais me faire les ongles aussi, que je finisse de me coiffer parce que là, il pleut tellement aujourd'hui, il fait un temps dégueulasse. Mes cheveux se sont tout remouillés, donc je vais les ressécher, je vais bien les lisser, tout ça. Et voilà. Et puis ensuite, je vais aller manger avec mes parents à midi. Et puis cet après-midi, boulot. Et ensuite, c'est les vacances.
dans ma valise. Du coup, donc là, j'ai mis les sous-vêtements, les chaussettes. Hop, je prends des maillots de bain et du coup, je vous montrais. Vous savez, je garde les petites pochettes des fois quand on reçoit des maillots de bain en plastique comme ça. Et du coup, bah, je vais tous les ranger à l'intérieur. Et comme ça, en plus, des fois, si à la plage, vous savez, votre maillot est mouillé, tout ça, vous le remettez dedans, ça ferme et ça évite que bah, ça mouille tout. Du coup, j'emporte ce maillot que je vous avais présenté dans mon haul. Attendez, je vais remonter un peu parce qu'on ne voit rien du tout. Ce maillot que je vous avais présenté dans mon haul Shein, AliExpress. Donc celui-là que j'aime trop, blanc à petits pois. Je prends également celui-là qui est un Pimkie léopard. Il est trop beau. Je ne sais pas ce que... J'ai fait du haut, ah il est là, hop, le haut j'aime trop aussi, il est comme ça. Et là ça fait comme un petit nœud, il est trop canon, je l'adore celui-là. Ensuite j'ai également ce maillot de bain marron, pareil de chez AliExpress. Hop, comme ça que j'aime trop, avec la petite culotte qui se noue. Ça j'emmène. Je prends ma culotte de bain préférée, enfin j'adore, c'est une H&M. Et en fait, elle est hyper taille haute. Et derrière, vous avez une couture. Je pense pas qu'on verra. Mais en fait, du coup, je sais pas, elle épouse super bien le corps. Et du fait que ce soit taille haute, ça fait super joli. Ça élance la silhouette. Et le tout dernier maillot que j'ai commandé sur le site, du coup, bah, l'OAVI, sur ce site-là. Il est magnifique. C'est un maillot de bain beige avec des paillettes, je sais pas si vous voyez, mais c'est absolument canon. Et ça avec le bronzage, ça va être trop beau. Et la culotte comme ça qui est bien échancrée également. Magnifique, j'adore. Ensuite je prends un petit pyjama. Hop. Du coup ce que je fais, c'est que dans ma valise je mets vraiment que ce qui est des vêtements. Et ensuite, je me fais un sac pour tout ce qui est beauté, un sac pour tout ce qui est le bain avec les sèche-cheveux, tout ça. Comme ça, au moins, ma valise, c'est vraiment que les vêtements. Un autre short pour être tranquille. Je prends ce jean blanc trop beau de chez Telly Wedge. Il est trop canon, c'est un blanc comme ça qui est taille haute et il est un petit peu évasé en bas. Il est coupé au laser comme ça. Il est trop canon ça. Pour une petite soirée d'été, c'est parfait. Hop, j'emmène cette petite jupe Pimkie, trop canon. Mon short léopard que j'adore, on est trop bien dedans. Ça c'est du site Cinelle Boutique. Autre petite jupe léopard de chez Pimkie, je l'aime beaucoup trop. Elle a les petites ouvertures sur les jambes là, c'est trop canon, je l'aime trop celle-là. Petite brassière pour être bien. Un petit top blanc basique, bon je vais pas vous montrer non plus tous les petits hauts que je prends. Un petit gilet à boutons si jamais il fait un peu frais le soir, celui-là je l'aime trop, c'est un Pimkie aussi. On ne sait jamais, mais je vais prendre un gros sweat comme ça. Ça, c'est un H&M. J'ai le bas assorti parce que du coup, on va être en camping. On dort en tente, donc admettons, enfin, ça m'étonnerait, mais qu'il fasse un peu froid la nuit, et bah, je serai trop bien dans mon gros sweat. Bon, bah écoutez, je suis dans les derniers préparatifs avant de partir en vacances. Faites pas attention à ma tête. Là, je suis... Je sors du boulot, enfin ça fait un petit moment que j'ai fini, mais voilà. Entre temps, j'ai fait mes ongles, du coup j'ai fait un bleu, c'est mon chéri qui avait envie que je fasse du bleu pour les vacances. Je pense qu'une fois que je serai bien bronzée, ça sera super joli. Donc voilà, je finis un peu les valises, là j'ai fait mes ongles et voilà, on va manger un bon taco ce soir, finir les valises et demain direction les vacances. Hello les gars, bon ça y est, c'est le départ en vacances,
Je viens de me réveiller et là je fais les derniers petits préparatifs, les dernières petites affaires et voilà, après on va y aller.